Dans l'épisode précédent, je vous partageais la beauté de l'île de Lanzarote. Aujourd'hui, on découvre sa voisine Fuerteventura et si vous aimez les plages et le surf, vous allez adorer. Allez, je vous spoil pas plus, c'est parti. Je m'appelle Florin, je suis réalisateur et ça fait maintenant 10 ans que je fais des vidéos de voyage, des pubs et des clips. J'essaie de poster de plus en plus sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Bonne vidéo! Ce vlog, il débute sur l'océan Atlantique, et plus précisément entre le port de Playa Blanca à Lanzarote et Coralero à Fuerteventura. Relier les deux îles en bateau, c'est la meilleure solution puisque ça prend seulement une trentaine de minutes et ça coûte une quinzaine d'euros. En plus, il y a une agence de location de voitures directement sur le port, Sicar, la même qu'on a utilisée à Lanzarote, donc c'est parfait. Bon, par contre, faites pas comme nous, on s'y est pris la veille, il n'y avait plus de voitures de dispo, donc on a pris le bus pour dormir pas loin de l'aéroport et récupérer une voiture le lendemain matin. Ça y est, on a la voiture et on s'apprête à partir donc découvrir cette magnifique île. On a profité d'être proche de l'aéroport pour découvrir un spot que j'avais noté dans le coin. Et vous allez voir, c'est plutôt stylé. Ces piscines naturelles, elles se situent juste au sud de l'aéroport, au niveau de Castillo Caleta de Fusté. Et autant nous c'était déjà très stylé, mais apparemment quand la mer descend un peu plus, c'est encore mieux. Allez, on reprend la route, direction le nord de l'île pour découvrir les magnifiques plages de Coralero. En train de s'arrêter sur toutes les plages qui longent la côte est. Franchement, c'est magnifique. C'est des kilomètres et des kilomètres de dunes et de plages. On peut se garer partout, on peut surfer pour les débutants. C'est vraiment hyper stylé et vraiment, on est tranquille quoi. On s'est posé là et on a attendu dans les dunes que le soleil se couche pour aller y faire quelques photos. On a tellement traîné que quand on est arrivé, le soleil était déjà quasi parti. On était à la bourre, on a profité de la plage. Donc on s'est pas éternisé et on est rentré en courant parce qu'une fois la nuit tombée, bah il fait vite très froid. Bref, c'était une très belle première journée à Fuerteventura. Ce matin, il est midi et on quitte seulement le Airbnb parce qu'il faisait pas très beau comme vous pouvez le voir. On en a profité pour travailler un petit peu. Et là, on se dirige vers le centre de l'île pour découvrir les petits villages. Sur la route, on s'est arrêté voir des moulins à vent introduits sur l'île au 18e siècle. Il y en a pas mal, surtout au centre et au nord de l'île grâce aux conditions météo idéales dans cette région. On a ensuite continué à descendre jusqu'au petit village de Betancuria. Ce village colonial, il a été fondé en 1404 par un explorateur normand, Jean de Betancourt, qui a choisi de s'établir ici au milieu d'une vallée et loin des plages pour éviter les attaques pirates. Le village est très mignon et c'est l'endroit parfait pour s'arrêter manger ou prendre un café. Allez, on continue notre route, direction Ahui, un petit village sur la côte ouest. On est sur la petite plage de Ahui, au sud, à l'est, à l'ouest. On est sur la petite plage de Ahui, à l'ouest, au centre de l'île. C'est un petit village de pêcheurs hyper sympa, avec quelques restos et surtout une grande plage de sable noir. Voilà, il fait pas très beau, mais sinon c'est un spot parfait pour regarder le coucher de soleil, puisqu'il se couche justement. Effectivement, le temps il était un peu gris et la mer assez agitée, mais il y avait quand même des courageux qui se baignaient. Nous, on s'est posé un petit peu sur les hauteurs avant de refaire la route retour direction Coralero où on a retrouvé de la famille autour de délicieuses tapas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 8h du matin, petit lever de soleil là. Dans la campagne de Coralero et on s'apprête à aller passer la journée sur l'île de Lobos et le temps est magnifique. Lobos, c'est une toute petite île entièrement piétonne tout près de Coralero. On la rejoint en bateau en une vingtaine de minutes seulement et la traversée coûte une quinzaine d'euros aller-retour. Là-bas, on peut y surfer ou simplement chiller sur les plages. La mer est d'ailleurs hyper calme à certains endroits, comme sur la Playa de la Concha par exemple, donc parfait pour se baigner. Il y a aussi un petit port avec un restaurant, on peut donc manger sur place et y passer la journée tranquille.
Nikos, ces quelques heures à Lobos, c'était magnifique. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire un petit tour dans les dunes. On y va de suite pour profiter des derniers rayons de soleil. Et donc nous partons. La traversée du désert. Comme la veille, on a terminé la journée en regardant le coucher de soleil depuis les dunes avant de retourner en ville retrouver un ami pour manger de délicieux plats locaux. On est parti un petit peu tard ce matin du Airbnb parce qu'hier on est sorti à Coralero et on est rentré un petit peu tard. On va essayer de traverser toute l'île aujourd'hui et mine de rien il y a pas mal de temps de voiture, il y a un peu plus de 2 heures. On est à une demi-heure là de Coralero, la vue est magnifique et c'est reparti. Bienvenue à Grand Tarajal. Premier stop dans notre découverte du sud de l'île, cette petite station balnéaire où on s'est posé un peu avant de continuer à descendre direction Costa Calma et ses magnifiques plages. J'ai fait un son, ils sont tous venus, regarde. Ils arrivent. Je sais pas ce que j'ai dit, mais c'est la panique. On est à Morro Rablé et ça a l'air super mignon, super chill. Le problème, c'est que le soleil il se couche dans moins d'une heure et nous, on veut regarder le coucher de soleil sur la plage de Cofete. La plage de Cofete, elle est ici, à l'opposé de Morro Rablé, sur la côte est de l'île. Vu comme ça, ça paraît pas loin. Mais il n'y a pas de route, c'est qu'une piste, donc le temps indiqué sur le GPS est bien sûr un peu biaisé. Mais heureusement, on est arrivé à temps à Cofete. Alors on n'est pas descendu jusqu'en bas sur la plage parce qu'en fait on s'est rendu compte que le soleil il allait plus toucher la plage. Donc on a préféré rester ici au Mirador, au point de vue. Et au moins on peut profiter encore un petit peu des derniers rayons. Et franchement c'est magnifique. Maintenant puisqu'on fait tout dans l'urgence, on va essayer de retourner rapidement à Morro Rablé, là où on était tout à l'heure, pour voir si on peut pas justement profiter des dernières lueurs du soleil. Bon alors évidemment on n'est malheureusement pas arrivé à l'heure pour regarder le coucher de soleil à Morro Rablé, donc on a décidé au final de rentrer directement à Coralero. Et c'est donc là que s'arrête cet épisode. Le lendemain, on a pris un vol pour Grande Canaria, mais je vous raconte ça très bientôt. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Si vous voulez toutes les infos sur le budget, j'en ai parlé dans une vidéo sur mon compte TikTok ou Instagram. Je vous mets le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.